Qu'est-ce que nous sommes? Jeudi, vendredi, samedi, elle va chanter aux Folies Bergères. Elle chante vendredi, demain. Elle chante demain et samedi demain, aux Folies Bergères. Si vous passez par là. Henri Jean, ça va? Qui, à Télématin, s'intéresse aux types? Que sont les types? Les TIP, ce sont les très importantes personnes qu'il fréquente. Et là, alors, il y avait un nid l'autre soir. Un nid autour de qui? Autour de Dominique Besnéard. Vous avez peut-être entendu ce nom-là. C'était parce qu'il n'exerce plus cette profession, un agent d'artiste, comédien. Alors, il a démarré comme directeur de casting. Après, il était agent. Maintenant, il est producteur de cinéma. Écoutez, je veux dire, j'ai quelques années devant moi. Je n'ai jamais vu une soirée comme ça à Paris. C'était donc l'anniversaire de Dominique Besnéard. Ah non, jamais. Si, je veux vous dire, moi. Où ça? Les 80 ans de Jean Marais. Ah oui, c'était pas mal aussi. Vous y étiez. C'était l'anniversaire de Besnéard. Il avait invité au Théâtre du Rond-Point chez Jean-Michel Ribes pour fêter son anniversaire. Tout le cinéma français était là. Il avait invité 430 personnes, il y avait 380 acteurs, il y avait deux journalistes en tout et pour tout, aucun présentateur de télévision, il y avait personne. Le chemin qui a mené ce garçon, son père et sa mère tenaient une petite supérette à Houlgate. Qu'il a mené de la supérette de Houlgate jusqu'à une soirée pareille à Paris. Et c'était venu uniquement, il n'y avait pas d'intérêt, c'est uniquement pour rendre hommage à quelqu'un qui a fait leur carrière, qui les a aidés, qui a toujours été là pour donner un conseil, donner une aide, pour expliquer. Accompagner. Et surtout parce qu'on sait qu'il aime le cinéma, Dominique. On sait qu'il aime les gens et qu'il aime le cinéma pour l'accompagner. Alors, tout un chacun était là. Et il manquait une seule personne. Un seul être vous manque. Attendez, et tout était dépeuplé. Je vous le dirai après. Je peux deviner. Ou pas? Oui, bien sûr, deviner. Une actrice qui manquait. Une actrice qui est en Angleterre. Non. Son souvenir en lui comme un ostensoir, si je peux me permettre. C'est une actrice qui est en ce moment, qui tourne avec sa fille. Non, c'est pas ça? Non, elle a arrêté. On va faire un appel pour qu'elle se manifeste. Donc, on va au Théâtre du Rond-Point. 380 acteurs, Dominique Besnéard au milieu, bel anniversaire. Et c'était à tomber par terre. Si vous fermez les yeux, 3 secondes, nous en manquait 4. Regardez. On va tous. Il n'y avait pas de princesse. Non, mais c'est des princesses dans nos cœurs. Mais il n'y a aucune archive. Et ça, on fait, ce que vous allez voir, c'est un jeu qui va servir d'archive pendant 25 ans. Extraordinaire. C'est de l'inédit, quoi. Ah oui, en total. On était la seule caméra de télévision. Incroyable. Allez. Incroyable. Bon anniversaire, Dominique. Mes anniversaires. Elle n'a jamais pu être dans les anniversaires. Voilà. Ah si, que j'ai vu à la télé. Bon anniversaire. J'étais là pour les 50 ans, je suis là pour les 60. Ah, monsieur. Je suis devenu un adulte, puisque j'ai 60 ans, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a 60 ans. Et je tenais vraiment à faire une fête. Un peu pour remercier tous les gens qui m'ont aidé, que j'ai rencontré. J'espère qu'ils viendront tous ce soir. Ça va, moi, je t'adore. C'est mon chouchou, Alouk. Ah oui. Je reciterai une phrase d'Éloire. J'ai eu des hasards qui sont devenus des rencontres et des rendez-vous. Et ma mère avait une cliente qui était la mère de Claude Lelouch. Je l'ai aperçue, je pense, tourner dans son jardin. Des filles et des fusils. Puis ensuite, j'ai assisté sur le tournage comme ça, très éloigné, un petit garçon regardant un homme et une femme se tourner à Deauville avec Anouk Aimé, avec Jean-Louis Trintignant, avec la Ford Mustang. Et qui pouvait imaginer que ces gens, je les rencontrerai plus tard et je serai leur agent. Merci. Ce rose est très mignon. Oh, c'est magnifique! Je voulais vous remercier d'être tous venus ce soir et puis je suis un peu ému parce que j'ai presque une histoire avec chacun d'entre vous, enfin une histoire sentimentale, une histoire de travail. Mon amour des acteurs, il a d'abord commencé avec le casting. Pour moi c'était un jeu, je n'ai jamais considéré que c'était un vrai métier. Mon vrai métier, il a commencé quand je suis rentré chez Armédia. Là c'était un vrai métier, c'est-à-dire que j'avais des responsabilités. C'est-à-dire de gérer des carrières, de signer des contrats et de faire en sorte que les acteurs dont je m'occupe, le metteur en scène, fassent des bons choix. Ce qui m'intéressait surtout, c'est que les gens fassent des bons films et que voilà, si ensuite ils gagnaient beaucoup d'argent, c'était
la meilleure des choses, mais ça n'a jamais été la raison d'un... Première, pour moi, un acteur, est d'abord faire un bon rôle et un bon film. Happy birthday to you. Happy birthday. Je ne pense pas que les acteurs sont des emmerdeurs. Je pense que les acteurs sont des gens angoissés qui, en fin de compte, sont souvent un peu dans le... dans la frustration, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle, ils le veulent, ils l'ont, ils le jouent bien. Et puis ils se disent, est-ce que ça va marcher? Et puis ils disent, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que ça... Voilà, il y a quand même toujours... les acteurs ont des doutes, alors c'est peut-être pour ça qu'ils deviennent un peu compliqués. Mais ils ont des doutes, c'est pas... Moi je pense qu'il y a moins d'emmerdeurs chez les acteurs que chez les sportifs ou chez les grands médecins ou chez les politiques. Leur métier, c'est jouer. Jouer, c'est... ça veut dire qu'on a un enfant quand on joue. Ben, ils sont restés quand même un peu enfants. Est-ce que ce, toutes ces actrices, il a aidé leur agent? Oui. Ou leur ami, il a une histoire avec chacune d'entre elles. D'accord. Vous savez que la première actrice qui a vu Besnéard, c'est L'Affaire d'une nuit, Pascal Petit. Son père jouait dans le film de Verneuil, et il est allé pour voir, on le voit pas le père Besnéard dans le film, il tournait donc dans L'Affaire d'une nuit, la première actrice qu'il a aimée, c'est Pascal Petit, après Marlène Jobert, il lui écrivait des lettres de fanzine, et la seule actrice qui manque, que Dominique lui fait frémir le cœur et qu'il adore. Alors, je vais lui dire, elle habite à Vendôme. Vendôme. Geneviève Grade, Nicole Cruchot, dans Le Gendarme à Saint-Tropez. Ah oui. Il aimerait à tout prix retrouver trace de Geneviève. Regardez, Geneviève Grade. Était là, il... Alors, si Geneviève si Grade nous voisin, écoute, voisine, dites à Vendôme, mais, voilà. Mais elle s'appelle peut-être pas Geneviève, si. Elle s'appelle vraiment Geneviève Grade, Nicole Cruchot. Et il a un livre qui raconte toute cette longue histoire avec les acteurs, qui s'appelle Casino d'hiver, avec Jean-Pierre Lavoignat, chez Plon. Et ça sort le 27 février. Merci beaucoup, Henri-Jean. Il va prendre du temps, on va se remettre. Hein. Ouais. Vous rendez compte? Le nombre de types au mètre carré? Ça fait beaucoup. N'oubliez pas, un type, c'est très important de personne. C'est pas VIP, non, c'est TIP. TIP, c'est en français. Avec Thomas Hervé, on s'intéresse à tout à fait autre chose.